Xavier Moissenet, j'ai 47 ans, je me suis installé en viticulture à Bouzeron, en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Il y a 10 ans exactement, c'est les 10e vendange du domaine cette année, donc en agriculture biologique. Voilà, le domaine fait aujourd'hui un peu plus de 6 hectares, répartis sur les communes et les appellations Bouzeron, Mercurey et un tout petit peu Ruilly, à peu près moitié blanc, moitié rouge. Pour moi, le label FNAB, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, il y a des choses que je faisais déjà en termes de biodiversité, en termes des relations à mes salariés. C'est des choses qui ne sont pas prises en compte par le label bio actuellement. Le label bio, c'est un label purement technique et on va certifier nos vignes et nos vins, donc vraiment notre production. Pour l'instant, il n'y avait pas d'outils pour certifier nos pratiques agricoles et de vinification. Il permet vraiment d'aller plus loin, pour moi en tout cas, en ayant cette dimension à la fois de biodiversité, qui est très large, qui est très vaste et qui est super intéressante. Et puis la dimension sociale, faire les choses bien dans les vignes, c'est intéressant, mais si on traite les gens mal ou qu'on ne se rémunère pas, ou etc., c'est pas forcément viable comme système. Donc l'idée du label FNAB, c'est vraiment d'élargir le champ pour que ce côté bio, il rayonne aussi un petit peu dans le reste de la vie de l'entreprise. Et ça, c'était vraiment intéressant.